Bonjour, Safia, comment ça va? Oui, ça va bien, vous? Alors, j'aimerais aujourd'hui que vous nous expliquiez un petit peu. Donc, on est au souper du monde pour le Burkina Faso. Donc, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous nous servez en fait ce soir. Alors, j'ai fait du riz. Et ça, dans mon pays, on l'appelle du riz gras. C'est du riz qui est fait à base de légumes. Généralement, on mélange avec la viande, mais vu qu'il y a des végétariens, je fais ça à part. Mais c'est un riz qu'on fait généralement lors des cérémonies. Mariage, baptême, de grandes fêtes. Souvent, on le fait à la maison aussi pour manger. Mais quand on le fait de cette façon, c'est vraiment lors des cérémonies. J'ai les légumes qui sont là pour ceux qui sont végétariens. J'ai du haricot qui est un plat, un des plats principaux chez nous. Et puis, ça se mange aussi lors des grandes cérémonies, mettant nos cultivateurs. Quand ils veulent que les gens viennent les aider à cultiver leur champ, ils font ce plat-là pour inviter les voisins qui viennent cultiver et ils leur donnent ce plat. C'est un plat vraiment prisé chez nous. Très bon. C'est fait avec de la sauce, tu peux le manger avec du pain ou de la viande ou bien du riz. Ça, c'est de la banane plantain qu'on appelle aloko communément. Puis c'est de la banane plantain frite. On peut le manger avec une sauce tomate aussi, on peut manger avec du pain. J'ai fait du dessert aussi qui s'appelle du dégué. C'est fait à base de yogourt avec du millet. Du millet passé à la vapeur. J'ai fait du jus de fleur d'hibiscus aussi, qu'on fait lors des cérémonies. J'ai fait du baobab au lait, pain de singe au lait qu'on appelle. Et généralement, quand il y a des mariages, on enferme la mariée pendant une semaine et on lui donne ce jus-là. Ça embellit la peau. Là, le jour de son mariage, quand il va sortir, elle brille vraiment. Elle est jolie. Ça aussi, on le fait vraiment lors des grandes cérémonies. Donc, grosso modo, c'est quelques plats que j'ai fait. Sinon, on a une panoplie de plats qu'on fait chez nous, très épicés. Mais aujourd'hui, je me suis abstenue vu que tout le monde ne mange pas épicé. C'est ça. Sinon, vu que nous sommes des Sahéliens, on est très spécialisés dans les barbecues. Dans les barbecues. Donc, ce qui fait qu'on fait des barbecues aussi de moutons, de veau, avec du bon piment. Grosso modo, c'est ça. Merci beaucoup, Safia.